Link start. Ouais, c'est parti les gens, nouvelle journée au Japon, à Tokyo. Et alors qu'il fait super beau, super chaud, vraiment la plus belle, la plus chaude journée depuis qu'on est arrivé, nous allons direction Akihabara. Voilà, c'est parti, c'est maintenant. Méga matinée à Akihabara. Let's go. Et voilà, ça y est, normalement on y est. Et d'ailleurs, ça se voit déjà, je pense. Il y a quand même pas mal de petites affiches, des petites affiches qui montrent bien le décor. Ah, c'est incroyable. Déjà, tu vois dire Genshin, Genshin qui est mis en avant et tout. Un 7-Eleven pour retirer d'argent au cas où. Bon, comme d'hab les gens, hein, je vais filmer, mais voilà, je vais surtout petite Donna. En tout cas, comme d'hab, ça a l'air énorme. Ça a l'air énormissime. Alors, on a déjà des game centers et tout déjà. Oh. Bah, j'ai choisi. Ah bah là. Bah écoute, on va voir. Hein. Après, c'est vrai que comme on disait, là, on est venu tôt. Et la plupart des boutiques, en fait, ils ouvrent plus tard, tu vois. Genre là, tu vois, une des plus grosses boutiques, Rakuten, tu vois, c'est pas encore ouvert, ça ouvre que. Tu vois, ça commence à peine à ouvrir, là, on le voit là. Ça commence à ouvrir. Ah, ça a l'air énorme. Regardez-moi ça. Avec formidable et tout. C'est incroyable, vraiment. Se retrouver ici, là, c'est vraiment du Azure Lane, là, c'est vraiment du Azure Lane, du Ami-Ami. Ça, c'est la folie. Hein. C'est vraiment trop bien, quoi. Et ça, à chaque fois, c'est vraiment des boutiques de la tête aux pieds, quoi. C'est vraiment. Il y a je ne sais combien d'étages, quoi. Vite avant qu'il passe au rouge. Ah, vous avez vu là, partout ils ouvrent. Partout ils sont pas encore ouverts, mais ils commencent à ouvrir, quoi. Bien sûr, après, bah, quand j'aurai bien filmé, alors on a quoi là? Est-ce qu'on a des gachapons intéressants ou non? Pour l'instant, non, même si, comme on peut le voir, il y a vraiment, vraiment plein d'univers. Non, pour l'instant, rien de. Rien qui m'intéresse personnellement. Oh là, on a carrément une boutique quintessentielle ici là. Enfin, en tout cas, il y a du quintessentiel dessus là. Alors comme dit, pour l'instant, il y a vraiment tout qui est fermé encore. Mais ça annonce la couleur.
On a des Ichiban Kuji par-ci par-là. Avec les différents lots à chaque fois. Ah, c'est carrément une nouvelle boutique là à droite. Ils sont en train de faire. Hein. C'est toute une nouvelle boutique là. Ils sont en train de construire. Hein. Là, on a encore tout un bâtiment énorme. Ici, c'est quoi? Je ne connais pas. Je connais pas cet univers. Voilà, ouais, vraiment tout qui est fermé pour l'instant. Hein. Il y a tout qui est fermé. Mais au moins, ça me permet de filmer tranquille. Au moins, je peux vraiment bien filmer la rue. Bah, de filmer là les gachapons et tout. Ah, ils sont en train de tout sortir. Là, il y a une Ichiban Kuji sur Quintessential. Qu'est-ce que c'est que ça? Akiba Island. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ici. En tout cas, les gens se jettent dessus. On dirait qu'il y a un tirage au sort ou je sais pas quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que les gens, ouais, je pense que il doit y avoir un tirage au sort ou autre. Et du coup, que là, c'est genre le jour où ils tirent au sort. Du coup là ils font la queue pour essayer de gagner, je pense, je sais pas. J'en ai aucune idée. En tout cas, c'est vraiment c'est que les Japonais là qui font la queue. Attends, regardez-moi ça. Ça c'est, ouais, j'allais dire, ouais, ça c'est du nick. Ça c'est du nick. Du nick, du niqué. Ouais, je fais ça à l'air énorme en fait. Genre vraiment. C'est qu'une rue qui fait 20 km. Ouais, voilà, c'est une rue qui fait 20 km et où chaque boutique fait plus de 10 étages, mais ce n'est qu'une rue. Là on a des classiques made et tout, genre hein. Des cafés, des made cafés, même si bon, au Japon les made cafés ça peut être des fois très cher, très cher, hein. Et donc un peu faire attention quoi. Surtout si on se fait alpaguer par une maid, justement. Là, on a un distributeur de cartes, genre. Moi, ça, j'adore. C'est vraiment les affiches, quoi. À chaque fois, voilà, les affiches en énorme, comme ça, sur les bâtiments et tout. C'est tellement impressionnant. Regardez, là aussi, il y a plein de figurines et tout. En vitrine. Là, je sais pas ce que c'est non plus. On a plein de figurines avec une très belle figurine. Je sais pas quel personnage, mais il est très bien foutu. Hein. Ah ouais. On a une Amiya juste ici. Raphaël se reconnaîtra. Pareil, on a un poney juste là. Ah, c'est des belles figurines là-dedans. Hein. J'aime pas c'est quoi comme boutique, mais c'est tout petit et il y a vraiment de très très belles figurines. Oh, petite figurine de Chica là. Parce qu'il y a vraiment de très belles figurines, même si je connais pas les persos et tout, les détails sont vraiment super top. Hein. Là, on a une Mufulo, on a quelques figurines assises, on a la Shiro que j'ai à la maison, qui a bien baissé de prix d'ailleurs. Derrière, on a des gachapons avec dedans, je pense, des images un peu olé olé. tout ça, c'est vraiment les endroits où, voilà, où je ferai le tour. On fera le tour, on aura des heures et des heures pour faire le tour, on verra. Là aussi, c'est quoi ça? Là, c'est, je crois que c'est des housses, genre des Dekimakura et tout, ou alors t'as des. T'as genre des posters, des affiches. Ah ouais, des t-shirts, ouais.
Ah là, les distributeurs de folie qu'il y a. C'est vraiment, c'est une dinguerie. Là aussi, on a le fameux petit chat de Pixiv là. En fait, ça c'est trop bien, ça c'est un mec, c'est un artiste. En gros, à la maison, il a un chat. Et son chat, il le dessine en version manga. Et genre à chaque fois, genre son chat maintenant, si il monte un rideau, bah, il va dessiner exactement son chat en manga en train de monter au rideau, tu vois. Et il met les deux images l'une à côté de l'autre et c'est vraiment la même chose, tu vois. C'est vraiment... Faudra que je te montre les images, hein. Ça rend trop bien. On a plein de figurines. Les gens dehors qui se font toujours appeler. Ils se font toujours appeler dehors. C'est comme dit, il doit y avoir un tirage au sort, ou il doit y avoir un truc dans le genre, vraiment. Ou une mini convention, je sais pas. En tout cas, je suis même pas au courant en fait. Je suis même pas au courant de ce qui se passe. Mais il se passe un truc, ça c'est clair et net, vu comme c'est bien rodé. Et là, on arrive du coup au nouvel étage. C'est le paradis pour tout fan de toute licence. Mais regardez-moi ça, regardez-moi la tête. Bon, les gens, du coup, j'ai arrêté de filmer avant parce qu'on m'a demandé d'arrêter de filmer, et d'ailleurs là aussi on n'a pas le droit de filmer, mais voilà, je vous montre quand même vite fait où on est. Voilà, hein. Donc on est toujours au même endroit mais dans un étage supérieur. Voilà, et j'ai aussi acheté plein de trucs de cul, de hentai, enfin bref. C'est le paradis, il y a tellement de trucs hentai en dessous, c'est incroyable. Mais voilà, du coup je vais continuer mon côté vu que j'ai pas le droit de filmer. Mais juste pour vous dire que c'est une folie. Une folie et qu'on va sûrement pincer à fond. Alors moi je peux aussi jouer papa. Hein. L'angle est peut-être pas bon. Ah, elle se prend dans les balles. Eh, en vrai, là il y a peut-être moyen là. Il y a peut-être moyen d'avoir la petite canadée là. Est-ce que tu penses que ça se tente encore là? Je sais pas. Je vais pas aller plus loin et j'ai peur qu'ils se prennent là-dedans en fait. Vas-y, on essaye quand même. Allez, Canadé! Oh non, il est trop mal placé en fait. Je pense qu'il faut tout tenter de mettre la main devant. C'est reparti, donc il a remis des pièces. Il retente sa chance. Je veux pas aller plus loin. On va tenter comme ça, hein. Voilà, hein. Allez, ça va vibrer. Oh. Oh, y a quelque chose là. Là, je sens qu'il y a quelque chose là. Là, je sens. Je ne peux pas aller plus au fond. Elle fait que tomber! Elle fait que tomber! Ouais, moi, le truc, c'est que la pince, elle fait que le lâcher à chaque fois. Elle le tient pas. Là, c'est une traverse comme ça. La même chose, même, oui. Même chose! Oui! Oui! La même chose, c'est bon. Elle s'est mise traverse comme ça. Ma première figurine remportée au Japon, à Tokyo Akabara! Canadé, c'est pour toi Raphaël. Alors à côté de Canadé, il y avait une Toka de Data Live. Et là mon père qui essaye de la voir. Mais la boîte elle est énorme. Elle est énorme la boîte. Plus c'est gros mieux c'est. Mais voilà, ouais. Exactement.
Mais vu que mon père a réussi à avoir Fern en seulement 500 yens, je pense que là, la Toka, ça peut le faire. Hein. Les Bibi, il faudra aller ramener son boîte, ça lui. T'aplatis les boîtes en vrai. J'aplatis les boîtes ou même dans ma grosse valise. Dans cette position-là, peut-être que. Ah, peut-être. Oh. Ah là, elle va tomber vers l'arrière, voilà, elle va pas se. Ah ouais. Voilà, ça va être compliqué, voilà, c'est mort, là c'est mort. Bon. Bon, ma petite soeur, si tu regardes cette vidéo, on va essayer de te choper une Miku dans la machine à pince. Ah non, je crois que je suis trop. Je suis sur la ligne, ah ouais, mais peut-être. Peut-être. Oh, ah, il y a un petit truc. Vas-y, attends, papa. Allez, papa qui va essayer. Du coup, voilà. Si on peut te ramener une figurine, on va essayer. Sachant que tu adores Miku, on se dit c'est peut-être le moment. Attention. Oh, ah ouais, ah là là. Enfin, le truc c'est qu'elle peut que tomber au milieu, pas tomber à droite et gauche. Ouais, là ça va être compliqué là. Là ça va être compliqué. Oh bien, bien, bien. Pour la remettre au moins droite. Ouais. Ah. Limite, faudrait peut-être limite essayer de la pousser maintenant. Je sais pas. Non. Ah merci. Ça fait des pièces. Ah bah oui, ça va servir, je pense, très probablement. Ah ouais, non, 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 là c'est foutu. Ah, elle s'est remise droite. Bon, je vais essayer, mais. Ok. Non, je crois que je suis encore sur la ligne. Non, je pense que c'est bien là. Oh oui, peut-être. Ah voilà. Ça c'est une machine bâtard. Bon, autant avant Canadé, c'était un peu en mode voilà, une pensée pour Raphaël. Mais non, Milim, moi je l'adore, Lucas l'adore. Donc au moins. Essayons d'avoir Milim. Après c'est une machine un peu à chier ça. C'est. On va essayer comme ça déjà, voir un peu comment ça bouge. C'est mal parti. Là comme elle s'est mise, c'est pas bien du tout là. On va essayer de la remettre. Oh merde, là c'est pas le coup là. Oh, ça va être dur là. Ouais, ça va aller dur. Elle s'est mis au tir au bras. Elle va prendre comme ça, c'est bon. Madame. Elle s'est mise au pire en bas. Ah, là c'est nickel, là c'est nickel. Non, c'est sur la barre. Oh, un petit effet là. Oui, c'est pas mal. Oh, on va la voir, cette mélime. Ah, ouais. Attends, ma fille, hein. Pour pousser. Hein. Ah, c'est pas mal. Oh. Donne-moi là. Ah ouais. Il va dire, je t'appuie. Vas-y. Oh vas-y. Bon, si toi t'as le truc. Ça serait du vol. Du vol. On l'ensemble, tu sais. Tu t'as vu. Il part. Ouais, il va.
Non, elle ne l'a pas, mais... Mon frère, elle a caressé. Attends, je vais essayer encore une fois, mais en étant pas exactement au milieu, on est pour un peu penché, tu vois. Avec un petit effet comme ça, peut-être. Oh, pas mal. Non. Oh là, en vrai, je peux la faire glisser là. Là, je peux la faire glisser, faut que je tape dessus là. Là, faut que je tape dessus là. T'as vu les deux là au milieu. T'es pas chance. Là, faut que je pousse, faut qu'elle glisse là. Un coup dedans là, faut mettre un coup là. Un coup. Vas-y. Vas-y, fais la glisser, s'il te plaît. Mais... Oh, elle va venir. Alors que je suis en train de faire remplir de thunes, je crois. Et là, on est proche, hein. Vas-y, pousse. Vas-y. Allez, les gars. Vas-y. Oh. Elle s'est remplacée, mais de la pire des façons. Hein. Non. Elle peut plus descendre par le milieu. Et avant, elle était sur la barre du milieu, tu vois. Il va retenter pour la 4000e fois. C'est près du but, c'est con, là. Elle est là, elle est toute proche. Elle est proche. Hein. C'est compliqué, hein, vraiment. C'est très compliqué, hein. Vas-y. Elle est bloquée. Je ne peux rien faire. Du coup, avant, je fais que la même chose. Bon, Manu. Verdict, Manuel. Ah, je pense que... On va pouvoir laisser tomber, hein. Après avoir mis 4 millièmes à l'intérieur. Ou alors j'attends que quelqu'un vienne la replacer. Au coup, il y a un monsieur qui nous a replacé. Hein. Et il a vraiment placé de façon, je pense que si on gère bien, on peut l'avoir. Vraiment. Je pense qu'il a dû voir qu'on galérait un peu, alors... Si on était en live, vous lui auriez dit d'arrêter. Arrête!
Bougé, hein. Regarde. Regarde, elle a deux doigts de tomber, putain de merde. Elle a deux doigts. Manuel, et je compte même plus les pièces, franchement. Quand vous verrez cette vidéo, essayez de compter le nombre de pièces. Elle a deux doigts de tomber. Je crois qu'il a mis facile plus de 20-30 balles là. J'avoue, on a rien à foutre. C'est Bénin. C'est elle qu'il faut. C'est elle qui peut gagner. Je le savais. Tout le temps. Moi, je suis en train de me faire. Manuel, la bête. Il faut celle-là. Arrêtez-le. C'est celle-là que je veux. Elle est trop belle, regarde derrière. Oh putain de merde. Voici un potentiel concurrent de Manuel. Il surveille s'il va réussir à avoir minime, sinon il attaquera à son tour. C'est la voir, c'est pas possible. J'ai obligé de tomber tout le nez. C'est pas possible. Elle me regarde, elle me sourit. C'est bon, la fenêtre. Regarde, l'autre il observe, derrière, il observe, mais qu'est-ce. Le concurrent de Manuel est toujours dans le coin. Allez, c'est pas possible. Je sais que là, il faut pas que je parte, parce que si je pars, il me la nique. Le japonais il est là, il est là tous les jours, 24 sur 24, toute l'année. Le mec il a vu ça et s'est dit oh le mec il va pas l'avoir, c'est un visiteur machin et tout, un étranger. Tu vois, il va tirer derrière une machine là, il va regarder. Allez, non. Vas-y. Ah putain. C'est terrible, ça fout les coups. Vraiment les gens, j'en peux plus là, je suis au bout de ma vie là. Je veux dire vraiment là, elle a juste à bouger un peu là. Un tout petit peu. Oh putain, elle a encore bougé. Non mais... C'est pas possible. Là je suis à deux doigts, vraiment je suis à deux doigts de la voir, mais vraiment. Là c'est rien. Elle a encore bougé. Oh. Ah ouais, mais non, ouais. Le problème, c'est qu'elle est trop mal placée, en fait. Elle est trop mal placée. Hein. Elle est trop mal placée. Allez. Oh, là, en vrai, tu peux l'avoir. En vrai, il y a moyen, là. Bon, oui, j'ai abandonné minime. Hein. Je suis désolé, j'ai abandonné minime. Mais là, en même temps, j'ai trop dépensé, là. Regardez, on a la Nino ici, encore la Canadée que j'ai eu. Là-bas, on a de la Itsuki et tout. Et du coup, ben là, Yashiro. Oh. Elles sont galères, ces machines-là. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose de faisable, là. On va faire la chaîne. Oh.
Vas-y, je vais trophier des pièces encore. Putain, on n'a pas eu Milim. Mais cette Chironeco là, il a faux là. Là, c'est pas le bon bail hein. Elles sont vraiment très dures ces machines hein. Faut vraiment passer entre les lignes du milieu là. Donc c'est vraiment très très compliqué hein. Comment vous dire que c'est un paradis sur terre hein. Littéralement il fait super beau là, on est dehors, on se balade de boutique en boutique. Alors oui, on n'a pas réussi à choper Milim ni Chiro malheureusement, mais c'est trop bien, il fait super beau, il fait super bon. Et il y a littéralement du cul partout hein. Autant le dire, dans chaque magasin vous avez des étages et des étages et des étages remplis, mais que de ça hein, mais vraiment que de ça. Et je trouve ça incroyable en fait, tu vois. Je trouve vraiment, c'est une mentalité tellement plus respectueuse de genre chacun fait ce qu'il veut de sa tête, j'ai envie de dire, de son cul. Et donc franchement c'est, je trouve ça trop bien. Et vraiment comme dit, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de c'est fou quoi. C'est fou. Et comme dit bah, il fait tellement bon que c'est vraiment hyper agréable au final quoi, de pouvoir faire tout ça avec un tel temps. Et donc ben voilà, écoutez, nous on continue en fait, on continue voilà d'avancer de magasin en magasin, de monter et de visiter chaque étage. Et comme d'habitude ben, si je peux vous filmer et tout, je vous filme etc. Mais sinon voilà, globalement vous voyez vraiment le délire hein. C'est une dinguerie, c'est vraiment trop trop bien quoi. La nouvelle boutique avec beaucoup de produits free range. La petite peluche. Donc là, encore un étage de la même boutique où j'ai montré les free range juste avant. Vraiment, on a de tout quoi. Et surtout beaucoup de figurines acryliques. Hein. Vraiment beaucoup, beaucoup de figurines acryliques. Donc on a une Eucly, on a du Honkai. Pareil. Du Holo Live. Encore du Genshin. Ah, du Data Live. On a du Ram et Rem, enfin du Rem et Emilia. On a Kulu. Kulami, Kulumi, Kulumi de Data Life plutôt, oui. Enfin, Kulami de No Game No Life. Oh. La très belle Iris, ça. On a aussi là. De là. Roxy, Iris, encore. Comme dit, beaucoup d'acrylique. Hein. Vraiment à fond les acryliques. Là on a du Red and Girlfriend, là on a du SAO, on a du Angel Beats, juste ici. C'est fou hein, c'est vraiment, il y a tout qui est un peu mélangé au final, vraiment il y a du SAO avec du Angel Beats, avec du, là on a les Nick, les Nikkei, on a les Nick. Qui prend de plus en plus de popularité, hein. Vraiment, on a les peluches, les t-shirts, les figurines, les acryliques, vraiment à fond acrylique. Je savais pas qu'il y avait autant d'acrylique. Là, on a un peu de quintessentiel. Avec Nino en deux. Il y a tellement de choses. Donc, je sais même plus quoi acheter. Ah bah là ouais, là c'est vraiment, c'est que du quintessentiel là. C'est un espace que quintessentiel là. Encore de l'acrylique. C'est combien? 1500 yens. Thank you.
C'est incroyable, et là-bas on a les chevaux là, les juments, juste ici. Je pense vraiment qu'ils attendent d'attraper une proie. On les voit là, ils ont des flyers sans main et tout, ils regardent les gens passer. Je pense que voilà. C'est justement le genre de bail qu'il faut éviter pour éviter de se faire prendre pas mal de thunes. Après je ne sais pas, hein, je dis ça mais... En tout cas, elles sont très jolies. À part ça, elles sont très jolies. Avec tout ça, il y avait pas de magasin. C'est vraiment magnifique. Alors, je sais pas quel est ce bâtiment, mais il est énorme. C'est apparemment vraiment The Akiba Shop quoi. C'est énorme, regardez-moi ça. Oh là là, mais j'ai même pas vu à côté. Oh. Ah ouais. Mais là en vrai, là on est vraiment, on est dans la rue quoi. On est dans la rue. Dans la rue d'Akabara. C'est incroyable, regardez-moi ça quoi, c'est énorme. C'est vraiment magnifique. Dire qu'on va aller dans tous ces bâtiments là, on va tout visiter. C'est incroyable.